Le Parlement européen, qu'est-ce que c'est? Le Parlement européen, c'est l'une des quatre institutions politiques de l'UE. Il est composé de députés qui représentent les intérêts des citoyens. Ces députés disposent d'une légitimité démocratique directe puisqu'ils sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans et avec un scrutin proportionnel pour favoriser le pluralisme politique. Le Parlement se trouve au centre du processus législatif de l'Union européenne. En effet, il reçoit les propositions de texte de la Commission, les étudie en commission parlementaire, c'est-à-dire un groupe de députés de tous bords politiques spécialisés sur un sujet précis, qui vont proposer des amendements ou des modifications, comme tu préfères, et ensuite faire voter ce texte à l'ensemble du Parlement avant de l'envoyer au Conseil de l'UE, qui va lui aussi voter ce texte à son tour. Le Parlement détient également un rôle central dans la constitution du budget de l'Union européenne. Chaque année, le Parlement et le Conseil de l'UE doivent se réunir pour décider du budget annuel de l'Union européenne. Mais si après plusieurs phases de négociation, les deux institutions n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord, le Parlement a le dernier mot en ayant le droit de rejeter le projet entier. Le Parlement détient aussi un pouvoir de contrôle. Par exemple, aujourd'hui, la grande majorité des accords internationaux nécessitent un avis conforme du Parlement pour être signés. Il revient également au Parlement de valider ou non les candidats à la Commission proposés par les États membres. D'importantes personnalités, comme le président du Conseil européen, les commissaires ou le haut représentant pour les affaires étrangères, doivent également justifier leur travail devant le Parlement. Alors, est-ce que tu as tout compris au Parlement européen ?